Nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Nous attendons à ta grâce et nous ne sommes pas là comme une personne. Nous sommes là à cause de toi, Jésus. Nous voulons que tu te manifestes et que tu te révèles à chacun d'entre nous dans la dimension de la restauration, de la délivrance et de la guérison. Nous comptons sur toi devant cette figure, devant la délivrance et la restauration. Nous comptons sur ta puissance et la manifestation de ton règne, que ton règne vienne dans le domaine de la guérison, dans le domaine de la manifestation, de la délivrance, de la restauration de chacun d'entre nous, parce que nous croyons que tu es là. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Nous croyons tellement ta présence. Et nous savons que tu es là. Telle est notre joie. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Nous croyons que cette nuit, tu te révéleras chacun d'entre nous pour nous délivrer de tous nos soucis. Parce que tu es Jésus. Tu as vaincu la mort. Tu as vécu toutes sortes de difficultés. Et tu as dit à la croix, tout est accompli. Amen. L'accomplissement de notre miracle, l'accomplissement de la guérison du cancer, la guérison, n'est-ce pas, des fibromes, la stérilité, la paralysie, de toute situation dite impossible. La guérison est déjà acquise à la croix. Et nous savons que tu es là. Et quand tu es là, nous sommes rassurés et convaincus qu'il y aura des séries de miracles. Et nous saluons la présence de Jésus. Alléluia. Je vous sens pas en train de regarder le temps de miracles. Je vous sens pas en train de... Bon, ici, c'est un peu de rentre. Donc, on est un peu chocaux, n'est-ce pas? Ok. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ben, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et que la puissance de Dieu soit le partage de chacun d'entre nous. Amen. Ah ouais, je vous sens pas, ça dit. Amen. C'est de vous à moi, quelque chose va se déclencher. C'est de vous à moi. Et si le peuple n'est pas édifié, il n'aura rien. Voilà, c'est vraiment important parce que nous sommes là pour vous aider. Voilà, il faut qu'on sente que vous êtes avec nous. Et comme ça, c'est Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Ben, nous sommes en Suisse. Amen. Amen. On a toujours entendu parler des Suisses où nos présidents mettent de l'argent. J'ai grandi dans ça. Moi, j'ai grandi où tous les présidents africains mettent leur argent en Suisse. C'est ce que je sais dans ma tête. Maintenant, Dieu me fait la grâce de venir prêcher en Suisse. Amen. C'est pour moi un privilège, un honneur. Que je rends toute la gloire au Seigneur pour ça. Amen. Voilà, amen. Amen. Je me baladais un peu en Suisse. J'ai demandé à ma fille, j'avais un monsieur qui est graillard, il frappe le maton depuis tout le temps. C'est qui ça? Devant une banque. Vous connaissez la banque là? Oui. Hein? Et c'est dans une banque, il a le manteau, amen. Ok, gloire à Dieu. Tout ça là, c'est symbolique, amen. Ça m'a personnellement fait du bien, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça m'a personnellement édifié de comprendre beaucoup de choses. Nous sommes en tournée dite européenne. Je suis en tournée européenne.
Je suis l'homme de Dieu qui met tout suite la Côte d'Ivoire, que tout serviteur de Dieu la Côte d'Ivoire. Amen. C'est pas de l'orgueil, demandez aux gens, demandez si vous voulez mener les enquêtes. Je connais le nord de la Côte d'Ivoire, je connais l'est de la Côte d'Ivoire, je connais le sud de la Côte d'Ivoire, je connais le centre de la Côte d'Ivoire, je connais l'ouest de la Côte d'Ivoire. Amen. Je connais la Côte d'Ivoire comme ma paume. Il arrivait des endroits où les véhicules ne pouvaient pas partir. Je marchais 20 km à pied. Amen. Je prenais les barres sur la tête pour marcher parce que je voulais prêcher Jésus. Amen. Voilà. Donc je ne suis pas venu ici pour m'amuser, pour faire du tourisme. Amen. La preuve, c'est que je ne suis pas à Abidjan. Je suis à Divo, à 2 heures d'Abidjan. Vous allez demander dans toute la Côte d'Ivoire, je ne suis pas à Abidjan. J'ai fait un culte à Abidjan aujourd'hui, c'est 2000 personnes dans ma salle. Amen. Dans ma salle, à cause de l'onction. Parce que l'onction marque toujours une différence. Amen. L'onction, c'est l'approbation de Dieu sur un ministère. Amen. Or, le ministère que j'ai, c'est le dévoilement et la destruction des œuvres du diable. Amen. Or, j'ai toujours dit, il y a plus d'enfants du diable que de Dieu. Amen. Je suis content que d'autres personnes me vilipendent. Je suis trop content pour ça. Oh là là, le micro me fait des fautes. J'ai bougé le micro, hein, donc... Ah, comment vous changez position pour ça? Ah non. C'est un micro baladeur, elle n'a pas de position, vous cabinez, tout ça. Bon, on va faire avec. On ira avec ça. Amen. Amen. Donc, il y a plus d'enfants du diable que des enfants de Dieu. Amen. La Bible appelle le diable le prince de l'air. La Bible appelle le diable le Belzébul. Amen. Et le diable, il est celui qui dirige le monde. Qu'on veuille ou pas, celui qui dirige le monde. Le prince, merci ma fille, il est le prince de ce monde. La plus grande religion au monde, vous savez, c'est Bouddha. Et tout bouddhiste ne croit pas l'existence de Dieu. Ah, vous savez pas ça? Mais puis Dieu, ne vous mettez pas comme ça à la...